une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. Il peut y avoir 4, 5, 7, 8, 10 personnes qui ont été en contact avec l'enfant. Alors, c'est difficile de faire une preuve hors de tout doute raisonnable devant une cour criminelle pour accuser quelqu'un. Le seul fait d'entendre ce bébé pleurer et de voir que ce bébé, une fois qu'il a bu, continue à en demander, oui, ça le fatigue au plus haut point. C'est pas parce que c'est une petite victime que c'est un petit meurtre. Je pense qu'il faut que ce soit investigué comme n'importe quel autre homicide. On voit ces gens-là au bulletin de nouvelles, dans les journaux, mais de réaliser là, que cette personne-là, elle est devant nous, à un moment donné, je me suis dit, aïe aïe, j'ai un tueur de bébé devant moi. Comme tous les nouveaux-nés, le petit David de 2 mois a besoin de soins constants. Benoît Martineau, son père, occupe un emploi dans une grande surface. La plupart du temps, quand il rentre de son travail, il est stressé et fatigué. Marie, la mère du petit, aimerait bien que Benoît puisse prendre le relais. Mais son conjoint a besoin de décompresser avant de pouvoir s'intéresser à l'enfant. Le 16 février 2006, les choses se passent différemment. Le bébé se réveille. Puis comme j'avais eu de la misère un peu à l'endormir, j'étais comme, bon, il fallait qu'il se réveille, tu sais. Le Benoît, il dit, ah, tu restes là, je vais y aller. David continue de pleurer. Benoît a beau le bercer et essayer de le consoler, rien n'y fait. Les pleurs se transforment en cris. Agacée par la persistance des cris, Marie vient prendre la relève. Pas plus que Benoît, elle ne réussit à calmer David. Ses pleurs continuent de résonner dans le petit appartement que la famille occupe à Longueuil. Les heures passent et la situation ne s'améliore pas. L'enfant refuse de prendre son biberon et vomit. Marie, inquiète, suggère d'emmener David à l'hôpital. Benoît résiste. Faut-il affronter l'hiver et la file d'attente à l'urgence pour quelque chose qui risque d'être réglé quand ils vont rencontrer le médecin? Les deux parents concluent que ce doit être une simple indigestion. Puis après 2 jours, j'ai dit, c'est pas normal que bébé vomit de même. Puis c'est là que je me suis décidée, j'ai dit, il faudrait aller à l'hôpital. À l'hôpital Pierre Boucher de Longueuil, l'état du petit est jugé alarmant. On lui fait un scan du cerveau. Les résultats inquiètent les médecins. Ça pourrait être une méningite, ça pourrait être une encéphalite, ça pourrait être une maladie infectieuse. C'est pas nécessaire. Ça pourrait être un accident. Les médecins recommandent aux parents d'emmener sans tarder le petit à l'hôpital Sainte-Justine de Montréal. Dès leur arrivée, David est pris en charge par des spécialistes qu'ils soumettent à une batterie de tests.
Il y a 10 ans, Benoît Martineau s'est retrouvé aux prises avec un enfant entre la vie et la mort. Il s'agissait de son premier fils, Kevin, qu'il avait eu avec une autre conjointe. Est-ce que le sort s'acharne sur lui, ou s'agit-il d'un drame beaucoup plus sordide? Quelques jours plus tard, David est toujours à l'hôpital. Son état s'est stabilisé, mais ses parents attendent toujours un diagnostic. L'inquiétude ronge Marie. Benoît et Marie se sont rencontrés alors qu'ils étaient à l'emploi d'une épicerie. Bon, on s'est côtoyés pendant quasiment 2 ans sans savoir qui qu'on était un l'autre. Sauf qu'à un moment donné, je sais pas, il y a de quoi chez eux qui m'a accroché, puis que je me suis dit, faudrait que j'aille parler, faudrait que j'aille voir c'est qui. Ils apprennent à se connaître pendant les pauses. Marie craque pour le sens de l'humour de Benoît. Leur relation démarre en Lyon. On s'est vu 2 fois, puis c'est la 2e fois que, je sais pas, ça m'a pris sur un coup de tête. J'ai dit, moi, je m'en vais, puis je suis partie chez eux. Marie laisse son conjoint de l'époque et emménage avec son nouveau prince charmant. Elle voit grand et fait des plans à long terme. À un moment donné, je sais pas, c'est parce que je suis une femme, mais on dirait que t'as ça en dedans de toi. Puis à un moment donné, la cloche, elle sonne, puis tu dis, c'est le temps. Tu regardes les autres avec les enfants, tu dis, mon Dieu, j'ai hâte que mon tour arrive. Son désir devient vite réalité. 1 mois après le début de leur relation, Marie est enceinte. Elle a 25 ans et elle est au comble du bonheur. Les sentiments du futur papa semblent plus mitigés. Ah, ben moi, j'étais contente. J'en shakais de partout, les jambes, les bras, les mains, le cœur qui débat. Puis ça fait comme... Ah, c'est le fun. Mais je dis pas plus que ça. Marie attribue la tiédeur de Benoît au fait que la grossesse n'est pas planifiée et qu'elle arrive tôt dans la relation. Mais il n'est pas question d'avortement. Le couple se prépare à la venue de cet enfant tant désiré par Marie. Cadette de 3 enfants, la future maman a connu une enfance heureuse. Elle a grandi avec des parents stricts, mais aimants. Benoît n'a pas eu la même chance. À sa naissance, Benoît est atteint d'une scoliose, une déformation importante de la colonne vertébrale. À 10 mois, il subit une première opération. La maladie de Benoît est une source de disputes entre ses parents. Sa mère l'accepte mal. Elle quitte le domicile avec le frère aîné de Benoît. Benoît est élevé par son père et la nouvelle conjointe de celui-ci. À 8 ans, il apprend que cette femme est sa mère adoptive. C'est un choc énorme. Benoît entre en contact avec sa mère biologique. À 11 ans, il emménage avec elle. Mais l'expérience tourne vite au cauchemar. Benoît raconte que sa mère le bat avec une ceinture. Il retourne alors vivre avec son père. Nous autres, dans notre langage, on appelle ça d'habitude les grands carencés. La carence affective, la carence relationnelle. C'est-à-dire, ce sont souvent des gens qui ont été garrochés de gauche à droite dans leur enfance et qui n'ont donc pas pu établir un lien d'attachement stable et continu. Quand Benoît rencontre Marie, il laisse son passé difficile derrière lui. Il semble prêt pour un nouveau départ. Leur fils David naît le 30 novembre 2005. C'est un bébé
en parfaite santé. Tout va bien jusqu'à ce jour de février où David est emmené d'urgence à l'hôpital Sainte-Justine. Après avoir placé le poupon sous observation pendant plusieurs jours, les médecins finissent par rencontrer Marie et Benoît. On a pris connaissance de l'ampleur du dossier, de ce que présentait bébé en termes de blessures. Donc, on parle d'hémorragie, des hématomes sous-duraux, des hémorragies rétiniennes. Il y avait une fracture également, décollement de la rétine. Le diagnostic est sans équivoque. David présente tous les symptômes d'un bébé violemment secoué. C'est tellement un choc, on dirait tu fais sur place, tu sais plus quoi penser, quoi faire, comment réagir. Quand un tel drame survient, les premières personnes soupçonnées sont les proches. Benoît et Marie clament leur innocence, mais les médecins ne peuvent prendre de risques. L'enfant est placé sous la protection des autorités. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui arrive, puis les médecins, ils reviennent, puis ils te reposent encore les mêmes questions. Mais pourquoi ils te reposent encore les questions? Ils viennent te poser, tu viens d'y répondre. Benoît Martineau trouve toutes sortes d'excuses pour expliquer les blessures de l'enfant. Très souvent, ils vont nous apporter une explication. Oh, il est tombé en bas de la table à linge, il est tombé en bas du divan. Est-ce qu'une chute de cette nature-là peut expliquer les lésions dans la tête? Alors, on a analysé tous ces éléments-là, et après divers examens, on peut arriver à faire la différence entre des lésions qui sont dues à une chute, un accident, versus des lésions qui sont dues à un secouage. Mais les examens ne laissent planer aucun doute. David a été secoué. Mais qui est responsable de cette agression horrible? Chaque année au Québec, une trentaine d'enfants sont victimes de secouages. Ce qui déclenche le secouage, c'est souvent l'enfant qui ne se conforme pas aux attentes du parent. Particulièrement, l'enfant qui pleure. On finit par s'interroger sur nos propres compétences comme parents. On finit par penser que peut-être cet enfant-là fait exprès pour nous pousser à bout, vient nous tester. C'est souvent que là, ça éclate. Les symptômes du secouage sont souvent difficiles à détecter chez un bébé. Il se présente très souvent parce qu'il vomit, parce qu'il n'a pas faim, il s'alimente mal, parce qu'il est irritable, parce qu'il est un peu somnolent. Mais quand ça commence comme ça, le diagnostic n'est pas nécessairement facile. Le secouage des nouveau-nés crée des dommages graves et souvent irréversibles. À cet âge, les muscles peu développés de leur cou arrivent difficilement à soutenir le poids de leur tête et leur cerveau flotte dans la boîte crânienne. La matière cérébrale est plus friable, ce qui la rend plus fragile à la distorsion lors de mouvements brusques. Les séquelles, malheureusement, sont souvent présentes et importantes. Elles sont d'autant plus importantes qu'il y a un grand délai entre le moment où est arrivé l'événement puis le moment où on fait le diagnostic. L'état du petit David inquiète les médecins. 15 à 20% des enfants secoués décèdent dans les heures ou les jours qui suivent l'agression. Parmi ceux qui restent, il y en a une moitié, 40%, qui vont être porteurs de séquelles neurologiques significatives leur vie durant. Ça peut aller de choses aussi sévères qu'être comme une paralysie cérébrale en fauteuil roulant dans un état quasi végétatif versus avoir des problèmes cognitifs d'apprentissage suffisamment importants que vous n'êtes même pas capable d'aller à l'école. C'est trop sophistiqué pour vous. Dans l'autre groupe, 50-60%. On a ce qu'on appelle des séquelles mineures. Mais c'est quoi des séquelles mineures? C'est des troubles d'apprentissage. C'est des enfants qui, à l'école, sont pas capables de suivre des classes régulières, ont besoin de mesures de support. C'est bien joli d'appeler ça des troubles mineurs quand il s'agit de l'enfant du voisin, mais quand il s'agit du nôtre, c'est pas tout à fait banal comme séquelles. Le désespoir de Marie suggère qu'elle n'est pour rien dans les blessures de son enfant. Par contre, l'attitude de Benoît Martineau laisse les médecins perplexes. Benoît a-t-il violenté son fils David? Avant de porter une accusation aussi terrible, l'équipe de spécialistes appelée en renfort doit en établir la preuve irréfutable.
les soupçons se portent sur David, à peine âgé de 2 mois. La mission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. David, à peine âgé de 2 mois, est entré d'urgence à l'hôpital Sainte-Justine. Les examens révèlent qu'il a été violemment secoué. Les soupçons se portent sur Benoît Martineau, le père de l'enfant. Moi, j'ai remarqué qu'il shakait beaucoup, était nerveux. Tu voyais qu'il essayait de te mettre ça sur le dos de quelqu'un d'autre. Parce qu'à un moment donné, il dit, c'est pas moi, il dit, c'est la gardienne qui l'a gardé la dernière fois. C'est parce que la dernière gardienne qui l'a gardé, c'est ma mère. En plus des blessures récentes, les médecins décèlent 2 anciennes fractures. Ce n'est donc pas la première fois que David est secoué. Mais la dernière agression a été assez violente pour provoquer une hémorragie cérébrale. La direction de la protection de la jeunesse est alertée. J'étais à ce moment-là accompagnée de 2 enquêteurs du service de police de Longueuil. Tout ça dans le cadre du protocole d'entente multisectorielle, là, où on intervient ensemble avec les policiers et le procureur de la Couronne. J'ai commencé avec madame, qui n'était pas, selon moi, la personne ciblée. Et j'ai fait le tour de la situation avec elle, essayé de voir s'il y a des choses qu'elle avait vues, qu'elle avait pu identifier. Mais moi, ce que je connais de la DPJ, c'est du monde qui vient de prendre tes enfants puis que t'as de la misère à les récupérer. Moi, c'était ça. Là, j'étais, oh mon Dieu, je veux pas qu'ils m'enlèvent mon bébé, là. Marie a tellement peur de la DPJ qu'elle hésite à leur dire la vérité sur ce qu'elle a vécu avec Benoît. Pendant la grossesse, Benoît se drogue. Il consomme près de 6 joints de marijuana par jour et parfois de la cocaïne, du speed et de l'ecstasy. Moi, il m'avait dit que ça faisait 11 mois qu'il avait arrêté de consommer. Quand j'ai annoncé que j'étais enceinte, peut-être un mois ou deux après, il avait recommencé à consommer. Il avait essayé de me le cacher parce qu'il savait que j'aimais pas ça, sauf que, tu sais, je suis pas nounoune, là. C'est un enfant qui, très jeune déjà, a connu des expériences extrêmement dévalorisantes. Alors très jeune, il a commencé à flirter avec des exutoires pour remplir un peu le vide existentiel, comme la drogue, comme la boisson, comme la petite délinquance. Après un séjour malheureux chez sa mère biologique et son retour au foyer paternel, Benoît se retrouve en famille d'accueil. L'expérience est un nouvel échec. Il est alors dirigé vers un centre jeunesse, où il reste jusqu'à sa majorité. Durant cette période, Benoît doit subir une nouvelle opération pour sa scoliose. C'est un échec. La tige de métal avec laquelle on tente de redresser sa colonne stoppe définitivement sa croissance. Quand il rencontre Marie, Benoît ne lui cache pas qu'à sa sortie des centres jeunesse, il ne travaillait pas et volait pour payer sa consommation de drogue. Pour moi, c'est son passé, tu sais, c'est... Ça m'a pas. Allumé de cloche ou rien. J'ai pas stické là-dessus. Quand il consomme, Benoît est agité, incapable de dormir. Il peut lui arriver de faire du ménage, frénétiquement, jusqu'aux petites heures du matin. La journée que je suis partie à l'hôpital pour accoucher. Ouais, ça. Parce que moi, j'étais due pour accoucher le 27 novembre. On était rendu le 29. La veille, Benoît a consommé la drogue. Le matin, t'essaies de le réveiller, il veut pas se réveiller, t'as quasiment les larmes aux yeux parce que là, t'as la chienne. Excusez-moi l'expression, là, mais t'as la chienne. Parce que tu restes à la Longueuil, faut que t'aies à Montréal, c'est l'autobus, le métro. Ça peut se déclencher n'importe quand. T'es toute seule. Marie prend le chemin de l'hôpital sans Benoît. Les médecins lui disent qu'elle doit accoucher à l'intérieur des prochaines 24 heures. Tourne à ta tête, si t'accouches, ça se fait là. Ça se fait pas dans 3 heures, ça se fait là. Mais c'est comme, passez-moi le téléphone, mais en même temps, tu ne mérites pas que tu l'appelles. Mais là, tu sais, t'es tellement pogné que tu pognes le téléphone, tu l'appelles.
une chambre, s'il était là, il a répondu. Durant les premiers mois de leur vie avec David, tout va bien. Benoît est un père attentif. Il a promis à Marie qu'il ne prendrait plus de drogue et il tient sa promesse. Ben, au début, il prenait, il préparait son lait. C'est plus tard, tu sais. On dirait que c'est plus les semaines allaient, puis on dirait plus ça l'irritait. À un moment donné, arrive l'enfant. Et cet enfant devient un rival. Cet enfant devient une chose, je ne dis pas une personne, devient une chose avec laquelle il entre en compétition. De là son immense irritation lorsque cet enfant dérange. À un moment donné, tu t'aperçois comment je pourrais dire ça? Qui est pas... qui est raide, qui est maladroit, qu'on dirait qu'il sait pas comment s'y prendre. Des fois, il prenait, j'ai dit, mon Dieu, j'ai dit, fais attention, tu sais, la tête ou... Cette maladresse surprend Marie. Benoît a pourtant déjà eu un autre enfant avec sa précédente conjointe, Joanne. Il a toujours été évasif sur les circonstances dans lesquelles le petit Kevin était décédé. Il se rappelle douloureusement cette journée où il a confronté Joanne dans la cuisine. C'est avec remords qu'il raconte cette histoire à Marie. On était assis chez eux, puis j'ai dit, c'est trop te demander de savoir comment son bébé est mort, tu sais. Puis là, c'est là qu'il m'a dit ça, que c'était de la faute de son ex, qu'elle avait pitché la veille dans le divan, qu'elle avait cassé des côtes. Puis le lendemain, en donnant son bain, il serait mort, comme ça. Le style de la maladie du berceau, là. Je me dis, bon, ça fait 10 ans, c'est un événement malheureux. Il a le droit de recommencer sa vie, il a le droit d'avoir une deuxième chance, il a le droit, tu sais. Que non, ça m'a pas fait peur. Marie n'a jamais remis en question la version des faits de Benoît. Aurait-elle dû se méfier davantage? Après avoir interrogé Marie, l'intervenante de la DPJ demande à rencontrer Benoît. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il comprenait, lui, de ça, le syndrome du bébé secoué. Et j'avais un animal en plus dans mon bureau. Et monsieur m'expliquait que c'était un geste de brassage du bébé. Et je lui ai demandé de me démontrer à l'aide de l'animal en peluche, ce que ça représentait pour lui, là, un bébé secoué. Dans certains cas, des parents vont nous démontrer un petit geste de secouage. Alors, monsieur Martineau a pris l'animal et il a vraiment démontré un geste qui était d'une nature très violente. Il m'avait préalablement dit qu'il n'y avait aucune inquiétude par rapport à la mère, par rapport aux grands-parents, par rapport aux gens de l'entourage. Alors, lorsque je lui ai demandé, mais qui a secoué votre bébé? Là, il y a eu un de ces silences. Il a une blonde. Il se remplit d'illusions. Et là vient le petit emmerdeur, ce petit, qui justement est de trop, qui le dérange, qui braille, qui crie, qui a des besoins. Et ce monsieur-là ne peut pas reconnaître le besoin des autres, parce qu'il a tellement besoin lui-même que les besoins des autres, il ne peut pas s'y pencher. Fatigué de porter son lourd secret, Martineau choisit de tout raconter. Les larmes aux yeux, il n'épargne aucun détail du supplice qu'il a fait subir à David. Il a de lui-même repris l'animal pour démontrer à nouveau qu'il avait pris le bébé, qu'il l'avait brassé. Il décrivait le mouvement de sa tête qui allait de l'avant, de l'arrière. C'était très, très, très défini comme mouvement. Il m'a aussi démontré, avec l'animal en peluche, avoir échappé à un moment donné l'enfant au moment de le prendre dans sa couchette et l'avoir rattrapé au vol et l'avoir remonté brusquement. Et encore là, on voyait la tête de l'animal qui allait de l'avant, de l'arrière. C'est la première fois qu'un secoueur d'enfant passe aux aveux.
La stupeur de la travailleuse sociale monte d'un cran quand Benoît Martineau reconnaît avoir posé les mêmes gestes sur son premier fils Kevin, il y a 10 ans. Il était dans la baignoire lorsque sa conjointe de l'époque lui a remis son fils en pleurs. Et là, à ce moment-là, on lui demande de nous préciser là, exactement qu'est-ce qui s'est passé dans la baignoire. Là. Donc, on lui demande de reprendre l'histoire de 96, toujours à la lumière de ce qu'on avait comme rapport du pathologiste et du coroner. Alors là, monsieur nous démontre que l'enfant est dans ses bras, il pleure, il le secoue pour essayer de d'arrêter de le faire pleurer. Ensuite, il le retourne sur le ventre, lui tape dans le dos pour essayer que le bébé respire à nouveau. Et à ce moment-là, il nous explique que la tête du bébé, elle est complètement dans le vide. Le bébé est en arrêt cardio-respiratoire. Pour Kevin, le secouage sera fatal. Puis là, elle dit ce qu'il te dit pour ce qui est arrivé avec l'autre. Elle dit, c'est pas vrai. Ah là, c'est comme tu veux te boucher les oreilles, mais en même temps, tu veux les ouvrir, tu veux savoir, mais en même temps, tu veux pas. Puis elle dit ça. C'est une madame qui a eu un choc là, de réaliser avec qui elle partageait sa vie. Kevin Martineau est décédé sans qu'aucune accusation ne soit portée. Comment se fait-il que personne n'ait été arrêté pour un crime aussi monstrueux? Omar Kader pourrait se prêter à une... Offert. Une boulet, mais... La menthe qui donne des frissons chaque fois que vous mâchez. La gomme 5, l'appel. Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Benoît Martineau, 34 ans, vient d'avouer l'innommable. À 10 ans d'intervalle, il a secoué ses deux fils, tuant le premier et blessant grièvement le second. Les autorités rouvrent le dossier de Kevin Martineau, mort en 1996. L'histoire débute alors que Joanne, la première conjointe de Benoît, apprend qu'elle est enceinte. Kevin naît le 12 février 1996. Comme son père, il est atteint de scoliose. Sa courte vie se termine 2 mois plus tard, dans des circonstances tragiques. En fait, ce qu'on avait constaté à ce moment-là, c'était des lésions qui étaient traumatiques et qui nous suggéraient la possibilité de mauvais traitements, c'est-à-dire essentiellement des lésions au niveau du cerveau, au niveau des yeux également, de la rétine des yeux. Ces blessures sont très similaires à celles subies par le petit David en 2006. Les terrifiantes similitudes ne s'arrêtent pas là. Les enfants ont tous deux été secoués à plusieurs reprises. Les gestes les plus violents se sont produits dans des circonstances presque identiques. Benoît rentrait tout juste du travail. Comme d'habitude, il était fatigué et stressé. Au retour du travail, il nomme lui-même qu'il ne devait pas toucher ou ni même s'approcher de l'enfant pour une période allant de 45 à 60 minutes, que ça lui prenait un temps significatif pour décompresser et passer à autre chose avant de pouvoir s'intéresser à l'enfant. Deuxièmement, il identifie qu'un bébé en pleurs, c'est quelque chose qu'il n'est pas capable de tolérer. Le 16 avril 1996, quand Benoît rentre chez lui, le petit Kevin est en pleurs. Le niveau d'irritation de Benoît monte d'un coup. Pour relaxer, il se fait couler un bain chaud. Joanne veut faire un appel. Comme le couple n'a pas de téléphone, elle doit se rendre chez la voisine. Joanne enlève la couche de son bébé et essaie de le consoler. Les pleurs continuent. Elle décide alors de confier Kevin à son père, toujours dans son bain.
Joanne quitte l'appartement. Elle ne verra plus jamais son fils vivant. Pas plus que Joanne, Benoît est incapable de calmer les pleurs de Kevin. Il perd le contrôle. D'après le témoignage de Martino, la même chose s'est produite 10 ans plus tard quand il a tenté de consoler David. Donc, un enfant pleure dans ses bras, le rejet que ça doit lui faire vivre, alors que lui n'a pas été pris en charge, ses besoins affectifs n'ont pas été répondus, jeune et même plus vieux. C'est de lui demander quelque chose qu'il n'a pas en lui. Ça t'a rejeté parce qu'il pleurait. Parce que moi, ce qu'il me disait, c'est que quand il pleurait, des fois, je voulais prendre le bébé pour le bercer ou le calmer. Puis Benoît, il me disait, non, il faut qu'il s'habitue à moi. L'enfant qui pleure et qui se retrouve dans les bras d'une personne nerveuse, tendue et anxieuse, a beaucoup de difficultés à se sécuriser et à arrêter de pleurer. Il y a une espèce de mécanisme inconscient qui fait que les pleurs s'entretiennent et que le parent devient de plus en plus irrité par ça. Quand il passe aux aveux, Benoît confirme que c'est pour qu'ils arrêtent de pleurer qu'il a secoué ses enfants. C'est d'abord et avant tout un geste impulsif, bien entendu. Il est outré, il n'en peut plus et il secoue l'enfant, c'est-à-dire il passe à l'acte. Définitivement, il s'agit là d'une satisfaction. Son exutoire est le passage à l'acte. Dans le bain, Kevin n'a pas seulement arrêté de pleurer, il a cessé de respirer. À un moment donné, il a cru apercevoir un sourire sur la bouche de son enfant et il va lui-même dire que je pensais qu'il était correct, je l'ai secoué encore plus fort, puis à un moment donné, qu'il est devenu tout blanc. Benoît Martino ne semble éprouver aucun remords. Il prend le temps de s'habiller. Mais tout ça pendant que le bébé ne respire plus. Donc, est-ce qu'il y avait un désir de mort? C'est difficile de le dire, mais c'est certain qu'il a tardé à appeler les secours. Il se donne même la peine d'habiller son enfant avant d'alerter qui que ce soit. Benoît rejoint finalement Joanne chez la voisine et appelle l'ambulance. Mais il est déjà trop tard. Kevin est décédé. Le petit David aurait-il connu le même sort si sa mère n'était pas venue prendre la relève pour le consoler? Kevin, lui, n'a eu droit à aucun secours. Suite aux résultats de l'autopsie, les deux parents s'accusent mutuellement d'être responsables de la mort de l'enfant. Pourtant, malgré des preuves indiscutables de mauvais traitement, aucune accusation ne peut être portée. C'est sûr que c'est frustrant. C'est frustrant. Des fois, on est capable de le dire, mais d'autres fois, on reste avec ce point d'interrogation-là. Et la seule façon dont on peut arriver à aider, à identifier la personne responsable comme médecin, c'est d'arriver à établir le moment où est survenu le secouage. Je vous dirais que c'est plus facile de diagnostiquer un syndrome de bébé secoué que de dire exactement quand c'est arrivé. Parce que nos moyens de datation, que ce soit par des prises de sang, que ce soit par des radiographies, ou même par une autopsie lorsqu'il y a décès, sont malheureusement peu précis. On va dater l'événement en termes d'heures, de jours, mais on n'est pas capable de dater ça à la minute près. Un des gros critères pour dire, essayer de préciser le moment du secouage d'un enfant, c'est à partir de quel moment cet enfant-là n'est plus normal, qu'il fait pas ses activités normales, ne serait-ce que de manger normalement, gazouiller, faire des mouvements. À partir de ce moment-là, on peut se douter que le petit a été secoué. Ce qu'on n'a jamais établi à l'époque, c'est dans quel état était-il au moment où l'enfant lui a été remis dans la baignoire.
Et ça, on n'a jamais établi ça. Si on avait pu établir de façon fiable que l'enfant était parfaitement bien à ce moment-là, je pense qu'on aurait pu mettre en accusation M. Martineau à ce moment-là. En 1996, malgré la bonne volonté des enquêteurs et des spécialistes, personne ne peut être accusé officiellement du meurtre de Kevin. Le dossier est rangé sur des tablettes. C'est sûr que ce cas-là, quand j'ai su quelques années après qu'il y avait eu un autre enfant secoué, je me dis peut-être que si j'avais été capable de mettre le point final au premier cas dès le départ, le deuxième cas se serait jamais produit. Le drame du petit Kevin Martineau aurait dû empêcher l'histoire de se répéter. Pour cela, il aurait fallu mettre Marie au courant de la mort suspecte de l'enfant de Joanne et des questions qui étaient restées en suspens. Comme rien n'a pu être prouvé, l'information n'a jamais été transmise. Pour tous, Kevin est mort du syndrome de la mort subite du nouveau-né et Marie n'a jamais entendu une autre version des faits. Il y a peut-être bien des choses qui auraient changé. Si j'aurais su ce qui est vraiment arrivé avec l'autre, il y a peut-être bien des affaires, peut-être que mon fils serait peut-être même pas là. Benoît Martineau a avoué ses agressions à l'endroit de ses deux fils. Il devra maintenant faire face à la justice. Mais quel sort réserve-t-on à un tel récidiviste? Avec 227 chapitres dans plus de 30 pays, c'est le groupe de motards le plus craint et respecté depuis 60 ans. Voici leur histoire. Hells Angels, dimanche 21h à TokuD. La Gaspésie, c'est pas juste beau, c'est bon. Dans les 500 voyages de rêve gastronomique de saveur du monde, il y a justement la Gaspésie. Puis la recette de kyode à la morue de ma grand-mère Landry, il y est sûrement pour quelque chose. Bravo! Bien joué, les filles! Quand on perd de l'eau, on doit boire, alors buvez ça. Coach, C'est de l'eau qu'on perd. C'est pas de l'eau qu'on devrait boire. Un jour, la réalité vous frappera. Rien n'hydrate comme l'eau. L'eau ne contient ni sucre, ni calories, ni colorants artificiels. Choisissez le goût pur et rafraîchissant de l'eau Nestlé Pure Life, l'eau embouteillée préférée des mamans. Faites un choix sain. Buvez l'eau de source naturelle Nestlé Pure Life. Sillon TC 2011, fabriqué par Toyota, créé par vous. Sillon, droit devant. Shell V-Power, c'est notre carburant le plus évolué. Enrichi d'azote pour une performance optimale et une protection maximale. Tout le monde reconnaît la puissance grand V. Profitez de la musique de votre iPod grâce à la qualité sonore Bose. Un système compact, élégant et entièrement portable. Le système musical numérique SoundDock portable de Bose. Débranchez-le et amenez-le là où vous voulez. Pour une performance unique qu'aucun autre appareil à batterie ne peut égaler. Peu importe l'environnement, la qualité sonore demeure la même. Le système musical numérique SoundDock portable de Bose. Une performance portable. De la morue de ma mère Landry. Du lard salé, des têtes de morue, ben, et de la morue. Un peu de filetant, un peu de saumon, patate, oignon, sel, poivre, une bonne poignée de crevettes de matane, puis l'ingrédient secret de la grand-mère, ben de l'amour.
Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. En 1996, Benoît Martineau a secoué à mort son fils Kevin. 10 ans plus tard, il pose les mêmes gestes sur son nouveau-né, David, issu d'une nouvelle union. Heureusement, l'enfant est emmené à l'hôpital à temps. Après une 10aine de jours à Sainte-Justine, on accepte de laisser David partir avec sa mère. Il ne manque de rien. Sa mère et sa grand-mère veillent sur lui. Mais Marie s'en veut de ne pas avoir suivi son instinct et réagit plus tôt. À un moment donné, oui, j'ai eu un mauvais feeling. Je disais, à un moment donné, il va arriver quelque chose. Mais quoi? Puis c'est là que je pensais m'en aller, que j'essayais de me trouver un endroit ou quelqu'un où... Mais tu sais, en même temps, t'as peur de t'en aller, t'as peur des conséquences que ça va avoir. T'sais, il va s'en prendre au petit. Il m'a tellement dit qu'il voulait demander la garde. Moi, je veux pas perdre mon fils. Là. Mais Marie entretenait toujours l'espoir d'avoir une famille et d'élever son enfant avec son conjoint. Aujourd'hui, elle voit les choses autrement. Il aurait fallu que je parte avant, ça c'est sûr et certain. Des accusations sont portées contre Benoît pour le traitement qu'il a fait subir à son second fils. Le cas de Kevin est plus délicat. Les autorités pourront-elles enfin lui rendre justice? La similarité des deux dossiers, les aveux de monsieur, un nouvel avis médical qui nous a été rendu par le docteur Sirard de l'hôpital Sainte-Justine, tout ça mis ensemble fait qu'on a pu, à ce moment-là, accuser monsieur de l'homicide de son premier enfant. Au moment de son enquête préliminaire, Martineau explique au juge qu'il n'a jamais voulu faire de mal à ses fils. Il voulait s'amuser avec ses enfants. Il a confirmé qu'effectivement, jamais il voulait faire de mal à son enfant, que c'était vraiment pour l'amuser, le faire rire. Il a de lui-même mentionné que s'il avait vraiment voulu faire du mal à son deuxième enfant, il m'a dit très clairement, je l'aurais secoué pas mal plus fort que ça. Alors, venant d'un individu qui a secoué un premier enfant 10 ans auparavant au point d'entraîner sa mort, la question s'est posée dans ma tête. Est-ce qu'il sait ce qu'il fait au point de doser la force pour en avoir déjà tué un enfant? Avant le début du procès, Benoît Martineau se ravise et plaide coupable au chef d'accusation qui pèse contre lui. Homicide involontaire et voie de fait grave contre son fils Kevin et voie de fait grave à l'endroit de son fils David. Marie ne se pardonnera jamais de s'être ouvert les yeux trop tard. Ce n'est qu'après que le diagnostic ait été posé à l'hôpital Sainte-Justine qu'elle a commencé à se poser des questions. Souvent, j'ai demandé, j'ai dit, si toi, t'aurais-tu assez le courage de me le dire? Il dit, oui, je te le dirais, puis non, c'est pas moi. Puis il disait tellement ça dans un ton de voix qui était convaincant. Mais combien de fois j'ai demandé? Si j'ai pas demandé, moi, une fois par jour. Le juge ne s'émeut pas en entendant le récit de l'enfance difficile de Martineau. Il le condamne à 12 ans de prison. Il lui est désormais interdit de s'approcher de David. Marie en a la garde exclusive. J'ai pu prendre ce bébé-là et ça... Ça n'a pas de prix. C'est un moment privilégié quand on pense que quelques jours auparavant, on avait le récit de ce monsieur-là avec les gestes qui nous démontraient qu'il était d'une violence inouïe. En quelque part, on se dit, j'ai contribué à son bien-être, j'ai bien fait mon travail, on a bien fait le travail puisque les enquêteurs ont autant de mérite, mais c'est un moment magique. Et ça, c'est ces petits moments-là qui fait que dans la folie de notre quotidien, on continue de faire ce travail-là et on continue d'y croire malgré des événements, des fois, qui sont moins reluisants. Mais quand on peut tenir cet enfant-là après et le regarder, c'est très touchant. David doit sa survie à une équipe de cliniciens, d'intervenants sociaux et d'enquêteurs
qui ont travaillé coude à coude pour faire surgir la vérité. D'avoir l'opportunité d'échanger directement entre les gens du milieu médical, policiers, judiciaires et protection de la jeunesse, en ayant toutes les informations disponibles, dossiers médicaux et autres, on peut relever des choses qui deviennent significatives, ne serait-ce par exemple certaines rougeurs qui auraient pu être notées à l'arrivée dans le premier hôpital qui sont disparues au moment où l'enfant arrive chez nous ou encore au moment où l'enfant arrive à l'autopsie. Quand on met tout ça en relation avec d'autres éléments factuels que les enquêteurs auraient pu mettre en évidence, nous permet peut-être d'aller chercher des détails et constituer quelque chose qui se tienne et qui permette peut-être de faire avancer le dossier. Le fait que le meurtre du petit Kevin soit resté aussi longtemps impuni laisse un goût amer dans la bouche de plusieurs. Il faut dire que les connaissances sur le secouage n'étaient pas aussi développées il y a 10 ans. Alors, on donnait toujours un petit peu le bénéfice du doute à un parent, vous savez. On a toujours dit, la vertu est chez les parents. Une maman, elle veut le bien de son enfant. Un papa, il veut le bien de son enfant. Oui, mais l'ignorance fait beaucoup de dégâts. Heureusement, les choses ont changé. On sait mieux quoi rechercher, comment le mettre en évidence, ce qui n'est pas toujours facile aussi. Aujourd'hui, oui. J'ai en vue surtout d'avoir menti, d'avoir... C'est surtout d'avoir menti. D'avoir joué le beau jeu, là, puis dans le fond... Les histoires d'enfants violentés resteront toujours difficiles à prouver. La dénonciation n'a pas bon nom, hein, sur le plan sociétal au départ. Mais des professionnels qui voient qu'il y a quelque chose de louche, ils ne devraient absolument pas hésiter de demander une évaluation, d'investiguer davantage. Laisser des gens dans leur ignorance et poser des gestes qui créent des handicaps pour la vie et qui tuent des enfants, ça aussi, c'est criminel. Contrairement à ce qu'on croit aussi, une autopsie ne va pas nécessairement toujours donner toute la vérité. Il y a des certitudes qu'on ne pourra pas avoir. Et il faut être capable de les accepter parce que si on essaie de déborder au-delà de nos limites, on risque tout simplement de faire des erreurs et peut-être tout simplement de faire accuser quelqu'un qui ne mérite pas de l'être. Les autorités ontariennes mettent à jour un tel cas en 2008. Le coroner Charles Smith, spécialisé en médecine légale pédiatrique, a produit des rapports frauduleux qui ont envoyé de nombreux innocents en prison. À 3 ans, David est aujourd'hui un petit bonhomme plein d'entrain. On est de bonne humeur, une belle journée qui s'en vient, le soleil, les petits hommes qui se lèvent, toujours de bonne humeur, on s'assied, on regarde la télé, on joue, on dort, c'est le fun. Même si David garde des séquelles du secouage, notamment un retard au niveau du langage, il est encore trop tôt pour dire s'il aura des difficultés d'apprentissage. Moi, je me suis promis de dire la vérité, parce qu'il a le droit de savoir. Mais ça va aller en temps et lieu, étape par étape. Mais je me dois de dire la vérité. Marie n'a pas mis de côté son rêve d'avoir un jour une famille heureuse. C'est sûr que je vais être sous mes gardes au début, puis, tu sais, je me dis, c'est pas tout le monde qui sont pareils, c'est pas tous les hommes qui sont pareils, c'est pas... J'essaie de regarder en avant, puis de... Mais c'est sûr que, oui, c'est sûr que ça me tracasse, tu sais. Nous pouvons nous réjouir du fait que notre société ait mis en place un système pour contrer la violence faite aux enfants. Nous ne serons jamais assez attentifs à ces petites victimes qui ne peuvent exprimer l'étendue de leur détresse. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Des histoires.
on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. J'ai toujours dit qu'elle pourrait faire n'importe quoi. Je pense pas que c'est une personne qui avait peur de rien. Maintenant, sauf tuer. J'ai toujours pensé qu'elle pouvait pas tuer. Quand je l'ai appris, j'avais la misère un petit peu à croire. Je me disais que faut faire une chose à même, faut pas être normal. Il y a aucune raison sur Terre où ce qu'une personne peut enlever la vie à un être humain. Jamais j'aurais tué mes enfants, jamais j'aurais fait ça à mes enfants. Mes enfants, c'est tout ce que j'ai. Mélanie vit en Montérégie, à Saint-Blaise, dans une maison louée à Grégoire Racine. Mais la jeune femme souhaite acheter la propriété. Et le 12 mai 2003, elle a rendez-vous chez le notaire pour réaliser la transaction. Grégoire Racine se rend à l'heure convenue, mais Mélanie tarde. Intriguée par l'absence de sa locataire, Grégoire Racine décide de se rendre à la maison. Il est loin de se douter de ce qui l'attend. En arrivant chez sa locataire, Grégoire Racine aperçoit un épais nuage de fumée sortant de la maison. En s'approchant, il découvre sa locataire, Mélanie, penchée à la fenêtre du deuxième étage. La pauvre femme vient de projeter l'un de ses jeunes enfants du haut de la maison afin de le sauver des flammes. Là, quand j'ai vu ça, là, j'ai paniqué, j'ai crié « au secours, à l'aide », je criais fort, mais personne qui entendait. D'habitude, il y a toujours du monde. On dirait que ça l'a fait exprès, il n'y a personne. Grégoire Racine tente également de joindre le 911, mais son cellulaire n'a pas de réception. Privé de toute assistance, l'homme prend la fillette et l'installe dans son Jeep. Puis, il roule jusqu'à la maison. Il se hisse alors sur le toit de son Jeep et parvient à faire descendre la jeune femme. Grâce au sang-froid de Grégoire Racine, Mélanie et son enfant sont sains et saufs. Mais le courage de l'homme sera mis à plus rude épreuve. Grégoire Racine brave sa peur pour aller sauver le bébé de Mélanie, malgré le fait qu'il ait un douloureux souvenir de pareilles circonstances. Là, juste avant de rentrer, là, c'est tant de peur. Là. La peur est réelle. J'ai un de mes cousins, il est décédé comme ça. Il est resté là. J'y ai pensé à ça. Au péril de sa vie, il entre dans la maison, mais sa nervosité l'empêche de parvenir à la chambre du petit. C'était plein de boucanes, mais c'était blanc, on voyait à travers quand même dans la chambre. Là, j'étais allé à la porte. C'est une chaleur épouvantable, là, puis j'ai reculé. Chaud, là. Voulant à tout prix sauver le bébé, il parvient cette fois à atteindre la chambre, mais la fumée est tellement dense qu'il n'arrive pas à repérer la couchette. Il doit retourner voir la mère qui lui indique où se trouve son fils. J'ai dit à Mélanie, où est-ce qu'elle est, là, où est-ce qu'il est le bébé, où est-ce qu'elle est la couchette? Elle dit, dans le fond, ce mur-là. Là, j'ai pris un vent, pour l'amour du monde, je vais repartir en dedans. Ben, j'ai repris mon respect. Là, j'ai traversé, j'ai rentré dans la chambre, j'ai mis ma main, là, pour me donner. J'ai dit, j'en ai, à un moment donné, là, j'ai touché au barreau. Quand j'ai touché au barreau, là, ça faisait déjà deux fois, je le faisais. Puis là, quand je suis venu pour toucher à. J'ai pogné même le bébé, là. Il n'y avait plus d'air. Fait que là, je l'ai pogné, j'étais content, j'étais vraiment content.
comme les yeux entre-ouverts. Bien que là, on a descendu en bas. Ça fait que là, si j'avais confiance, on peut peut-être lui donner la respiration. Puis il y avait un pompier secouriste qui est arrivé suite, pas longtemps après. Ça fait qu'on s'est échangé ça. On donnait la respiration. Mathis est transporté d'urgence à l'hôpital du Haut-Richelieu, où son décès est immédiatement constaté. Le 12 mai 2003, je regardais les nouvelles, sur l'heure du midi, puis j'ai vu qu'il y avait un incendie qui s'était déclaré à Sainte-Blaise. Puis c'est là que j'ai reconnu la maison où Mélanie demeurait. Je l'ai vu aux nouvelles. Alors, j'ai traversé chez mes voisins. Je leur ai laissé mes enfants, puis je suis parti avec ma femme. Quand j'ai rentré dans la rue, là, j'ai vu les autos de police, les camions de pompiers qui étaient là. Là, j'ai posé des questions, à savoir qu'est-ce qui s'était passé. Puis ça, ils m'ont demandé qui j'étais. Je leur ai dit que j'étais le frère de Mélanie. Puis là, je me suis enquéri de la situation, des enfants, où étaient les enfants. Là, on m'a dit que les enfants étaient à l'hôpital, que Mathis était décédé dans l'incendie. Sous le choc, la mère est admise à l'urgence. Malgré son état, les enquêteurs la visitent dès le lendemain du drame. La jeune mère trouve même la force d'accorder des entrevues aux médias. Mathis, mais je savais déjà qu'il était mort parce qu'il était, comparativement à d'habitude, il était tout raide. Puis il était pas capable. J'étais pas capable d'y toucher. Donc, mais mon propriétaire, je lève mon chapeau parce qu'il a vraiment essayé jusqu'au bout de le réanimer avec les secours et tout. Puis c'est ça, mais ils n'ont pas été capables de le réanimer. Mais moi, je suis sûre que par les expériences passées, par le décès de ma mère puis de mon père, qu'il était déjà mort quand que moi j'ai été dans la chambre. Trois jours après le décès de son fils Mathis, qui venait tout juste de fêter son premier anniversaire, Mélanie assiste à ses funérailles. Des proches tentent de soutenir la mère dans cette épreuve. Mais la plupart d'entre eux demeurent sans voix devant une mort aussi inexplicable et cruelle. Pourtant, tous les proches ignorent ce que les enquêteurs ont découvert en visitant la maison de Mélanie. En pénétrant dans la maison en flammes, les pompiers ont remarqué que le feu semblait avoir pris naissance sous l'escalier et dans le placard du couloir. Mais ils ont vite découvert un fait alarmant. Dans le salon, à plusieurs mètres de l'escalier, il y avait aussi des fauteuils partiellement carbonisés. En analysant la scène, les enquêteurs ont finalement déterminé qu'il y avait 6 foyers d'incendie dans la maison de Mélanie. Pour eux, le message était clair. Il fallait que quelqu'un ait volontairement mis le feu à différents endroits de la maison. Mais qui aurait pu vouloir incendier la maison d'une mère et de ses deux jeunes enfants? Le pathologiste établit rapidement que Mathis est décédé d'asphyxie par intoxication aiguë à l'oxyde de carbone 4 à 6 heures avant son admission à l'hôpital. Grégoire Racine a risqué sa vie sous les yeux de Mélanie sans savoir que le jeune garçon était déjà mort. Ben, ça a marqué beaucoup, je pense, parce que c'est un enfant, là, ça marque beaucoup. Puis les journées par après, j'ai été marqué beaucoup. Parce que il y a juste moi qui sais comment j'ai eu peur après la deuxième fois, puis je voulais plus y aller. Je savais pas qu'il était mort avant, j'ai su par après. Puis je me culpabilisais en disant, si tu avais peut-être été tout de suite, si tu n'avais pas eu peur, tu serais peut-être pas mort. Ça fait que ça m'a marqué. Dans le contenu gastrique et le sang de Mathis, on retrace aussi de l'oxazépam et du clonazépam, de puissants sédatifs. Deux des biberons retrouvés dans la maison contenaient aussi de l'oxazépam. Plus chanceuse que son frère, la fille de Mélanie a eu la vie sauve parce qu'elle a vomi les médicaments. Mais qui d'autre que Mélanie, elle-même, aurait pu ajouter ces sédatifs? Les éléments recueillis sur place, l'étude de la scène, la rencontre de madame, a porté les enquêteurs, justement, à tirer certaines conclusions. Ces conclusions-là ont été présentées au substitut du procureur qui a autorisé le dépôt de 3 actes d'accusation. Quand on regarde surtout les mères qui ont tué leurs enfants ou qui ont tenté de tuer leurs enfants, donc des femmes qu'on appelle des femmes filicides, il y a pas toutes les femmes, évidemment, vont tuer leurs enfants de cette façon-là, mais on a un certain pourcentage, je dirais peut-être entre 5, 6, peut-être 10 % des femmes qui vont recourir à un moyen ou vont droguer l'enfant.
avant de le tuer. Le 16 mai 2003, Mélanie est appréhendée chez sa grand-mère pour meurtre, tentative de meurtre et incendie criminel. Je sais qu'il y a des doutes sur moi, mais jamais j'aurais tué mes enfants. Jamais j'aurais fait ça à mes enfants. Mes enfants, c'est tout ce que j'ai. Après 6 heures d'interrogatoire, le sergent Mario Smith accule Mélanie au pied du mur. Elle admet enfin sa responsabilité dans les événements du 12 mai 2003. J'ai toujours dit qu'elle pourrait faire n'importe quoi dans la vie. Je pense pas que c'est une personne qui avait peur de rien. Maintenant, sauf tuer. J'ai toujours pensé qu'elle pouvait pas tuer. Je l'ai cru jusqu'en 2003, quand les policiers de force ont été obligés de me dire « Non, non, il y a aucun doute. C'est pas l'incendie de Saint-Blaise. On a zéro doute. On a des preuves en béton que le feu a été mis par votre sœur. » Puis c'est là que j'ai compris, j'ai dit, tu vois, elle a réussi encore à me surprendre. C'est la première fois que là, je la vois comme pire que ce que j'aurais pu imaginer. Alors que le procès de Mélanie n'en est qu'aux étapes préliminaires, une nouvelle secoue les proches de la jeune femme. Les policiers portent une autre accusation contre elle, celle d'un meurtre resté jusque-là irrésolu. Dimanche, à Canal D. Antise. Je veux savoir. Toujours. Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Le 12 mai 2003, Mélanie a perdu l'un de ses deux enfants dans un incendie. Son entourage lui témoigne sa sympathie. Pourtant, à peine 4 jours plus tard, les proches de la jeune femme se sentent dupés et bouleversés quand ils apprennent que c'est la mère elle-même qui a drogué ses enfants avant de mettre le feu à sa maison. On a peine à y croire et pourtant, l'horreur est encore au rendez-vous. Le 16 octobre 1974, Mélanie naît à l'Acadie, en Montérégie. Sa mère, Francine Lévesque, est femme au foyer et son père, Jacques, est policier. Mélanie a un frère aîné, François. En 1978, son père construit une maison à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mélanie a été portée à toujours être comparée. Ça a toujours été François comparé avec Mélanie. François a des résultats scolaires, Mélanie a d'autres résultats scolaires. Oui, mais regarde, ton frère l'a fait. Pourquoi t'es pas capable de le faire? Elle a vécu ça depuis qu'elle est bébé. Dès son jeune âge, Mélanie présente des problèmes de comportement. Les chicanes avec sa mère sont nombreuses. Et Mélanie va chercher du réconfort auprès de son père. Mélanie puis ma mère se sont chicanées à plusieurs reprises. Parce que, écoute, les tiroirs dans la maison volaient. C'était vraiment assez pour que certaines fois ma mère ait besoin d'appeler mon père à l'ouvrage, puis il dit, garde Jacques, je suis plus capable, il va arriver de quoi. Ma mère avait même demandé à mon père à un moment donné de classer Mélanie, de dire, ben garde, si elle n'est pas contente, si tu vas avoir à choisir, ça va être ou moi ou ta fille. Mais une affaire qui est sûre, je peux plus me permettre de me laisser emporter de même, puis de vivre constamment dans la chicane, puis dans les conflits, je suis plus capable. Madame avait beaucoup de conflits avec sa mère, c'était difficile, c'était conflictuel, tendu. Et avec le père, une relation très, très proche, très étroite. Et on se souvient... Et les parents semblent aussi ne pas avoir mis beaucoup de limites à leur fille. Elle n'a pas, si on veut, intériorisé une limite interne suffisante. La tension monte. Son père et sa mère reconnaissent que le climat familial est devenu invivable. Le père de Mélanie, qui l'a pourtant toujours protégée, lui lance alors un ultimatum.
Puis à ce moment-là, mon père a parlé à Mélanie, puis il avait dit, là, tu me forces à choisir entre ta mère puis toi. Ben, je regrette, j'ai bien réfléchi. J'ai choisi ta mère. Puis si t'es pas contente, ben, on va te placer au DPJ. Après cet incident, les relations entre Mélanie et ses parents semblent temporairement s'apaiser. Mélanie fuit un peu le foyer familial et commence à fréquenter les bars du coin. En 1991, elle rencontre Stéphane Leblanc dans un bar. Mais ses parents n'apprécient pas du tout son nouvel ami. C'est là, souvent, à l'âge adulte, où on prend des décisions. On veut être appuyé par nos parents. Et souvent, de toujours revenir sur des choix, en général, et sur le choix du conjoint, ça a un effet qui peut être déstabilisant, perturbant pour certaines personnes. Mais c'est clair que le fait de rejeter souvent les choix de nos enfants, ou de rejeter souvent leurs décisions, de ne pas les appuyer, c'est des choses qui peuvent être primordiales, qui peuvent rendre la relation beaucoup plus difficile et négative. Encore une fois, la situation s'envenime entre Mélanie et ses parents. La jeune fille devient de plus en plus rebelle et commet même de petits délits. Mélanie n'ayant jamais travaillé, je savais qu'il devait avoir quelque chose de louche en arrière de sa manière de vivre. Je savais que mon père lui prêtait beaucoup d'argent. Mon père disait, bon, c'est de un, l'influence de son conjoint, de deux, le fait qu'elle travaille pas, elle a de la misère à se trouver une job, pauvre Mélanie, elle a pas de sous, ça lui prendrait des sous, si elle a des sous, elle aura pas moyen de voler. Donc, à ce moment-là, mon père la sortait de prison, il prêtait de l'argent dans l'autre main. Mon père, il a prêté en tout 10 000 $. En 1996, le couple de Stéphane et Mélanie bat de l'aile. Stéphane commence même à fréquenter une nouvelle petite amie. Furieuse, Mélanie décide de se venger en causant des dommages au véhicule de Stéphane. Mais l'affaire n'ira pas plus loin, car encore une fois, le père de Mélanie règle le tout à l'amiable. Puis, contre toute attente, Mélanie et Stéphane déménagent ensemble. Mais leur union est loin d'être de tout repos. Pendant les années de leur cohabitation, plusieurs accusations seront portées contre Stéphane. Certaines d'entre elles proviennent même de Mélanie. Mais cela n'empêche pas la jeune femme d'écrire au juge pour se porter à la défense de son conjoint. En 1999, Stéphane écope finalement de 2 ans de prison. Alors que son conjoint purge sa peine, Mélanie prend le chemin de l'Université de Montréal, où elle s'inscrit en criminologie. Le 12 octobre 1999, le père de Mélanie succombe à un infarctus. Pour la jeune femme, le choc est immense. Mélanie, après, elle était... mais elle a toujours été distante avec nous autres. Disons qu'avec tous les membres de la famille, de toute manière, ne serait-ce mon père, ma mère et moi, elle ne se laissait pas aller facilement. Elle avait un peu plus de facilité avec mon père qu'avec toutes les autres. C'est sûr qu'après, avec moi, avec ma mère, elle était arrogante. Son attitude a vraiment changé. Tu voyais que, bon, elle était froide. Dans les jours qui suivent le décès de son père, Mélanie apprend à sa famille qu'elle a poursuivi sa relation avec Stéphane pendant son incarcération et qu'au cours d'une visite, elle est devenue enceinte. La jeune femme semble troublée par tous ces événements et ses proches jugent opportun de l'hospitaliser à Charlemagne, à l'unité des soins psychiatriques. Mais de son lit d'hôpital, Mélanie correspond avec Stéphane et dans une lettre datée du 21 décembre 1999, elle lui confie qu'elle sait quoi dire aux psychiatres et aux travailleurs sociaux pour parvenir à les déjouer. En mai 2000, Mélanie accouche d'une petite fille. Elle se retrouve seule avec le nouveau-né, Stéphane étant toujours incarcéré. En plus de ses problèmes relationnels et émotifs, Mélanie n'arrive pas à joindre les deux bouts. Sa mère accepte de l'héberger en mémoire de son défunt mari. Mes relations étaient tellement étroites avec ma mère. On a été élevés comme ça. J'ai toujours été très proche de ma mère. Mélanie a toujours été très proche de mon père. Puis ça, c'est connu de la famille aussi. Tout le monde a toujours su ça. Dans les fêtes de Noël, dans n'importe quel rassemblement, ça a toujours été comme ça. Mélanie était toujours assise aux côtés de mon père, j'étais toujours assise aux côtés de ma mère. J'ai l'impression qu'elle a vraiment perdu sa place. Elle s'est sentie comme ça. Je crois pas qu'elle se sentait un lien familial ni avec ma mère, ni avec moi. Mélanie abuse des largesses de sa mère. Pendant son séjour, elle confie sa petite pendant 10 heures à la pauvre femme atteinte de spina bifida, une maladie dégénérative la confinant à un fauteuil roulant.
Elle va même jusqu'à lui subtiliser ses cartes de banque. Autour du mois de novembre 2000, là, elle a commencé à avoir des irrégularités dans ses comptes de banque, les cartes de crédit qui rentraient. Il y avait des cartes de crédit que ma mère ne s'était pas servi depuis des années, qui étaient dans son portefeuille. Elle a commencé à avoir des relevés de compte qui rentraient. Là, elle s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose autour de ça. Elle a gratté un peu. Puis là, elle a fini par se rendre compte que Mélanie la fraudait. Les nombreuses mésententes entre les deux femmes excluent maintenant un retour au calme. Francine presse sa fille Mélanie de quitter la maison. De guerre lasse, Mélanie consent à partir. Ma mère m'a fait venir ici à mi-décembre, avant Noël. Elle m'a appelé une nuit, elle pleurait. Elle a profité d'une opportunité où ma sœur était pas là. Puis c'est le seul temps qu'elle avait dans la nuit parce que Mélanie surveillait et le courrier, elle passait tous les jours, elle venait faire ses visites, puis c'était toujours impromptu, elle s'annonçait pas. Mélanie surveille tous les gestes de sa mère et devient de plus en plus envahissante. Francine ne sait plus comment s'opposer au comportement de sa fille. C'est alors qu'elle songe à changer son testament. Donc, elle m'avait expliqué qu'elle avait demandé à la notaire de Lain de préparer un projet de testament qui conserverait l'argent que Mélanie était supposée hériter pour sa fille. Que si jamais elle décidait de faire des études, et j'aurais été curateur de cet argent-là. Donc, de toute manière, le testament aurait été divisé en deux. L'argent de Mélanie n'était pas perdu, était seulement donné à sa fille. Au décès du père, au lieu de vivre, si on veut, de la peine, elle a pris un peu la place du père dans son lit et même dormi dans ses draps pendant plusieurs mois, comme si elle avait pris un peu la place du père, un peu sa puissance et la toute-puissance et l'absence de limites. Petit à petit, la mère tente d'imposer des limites à sa fille. La fille qui fraude, la mère tente d'imposer des limites, veut lui enlever de l'argent, veut la déshériter, veut la faire partir de la maison, donc des pertes. Et Mélanie refuse, se sentant très puissante, n'ayant pas de limites internes, veut vraiment arriver à ses fins, veut le déçu sur sa mère. Le 31 janvier 2001, un incendie éclate à Saint-Jean-sur-Richelieu. Francine Lévesque meurt asphyxiée. Les enquêteurs soupçonnent qu'il s'agisse d'un incendie criminel, mais son auteur leur échappera pendant plus de 2 ans. Ta eau froide me permet d'obtenir une propreté remarquable et peut m'aider à économiser... La mission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Le 31 janvier 2001, une tragédie éclate à Saint-Jean-sur-Richelieu. La mère de Mélanie, confinée à un fauteuil roulant, perd la vie dans l'incendie de sa maison. La pauvre femme a-t-elle compris que sa propre fille était en train de la tuer? Tout commence le matin du 31 janvier 2001. Mélanie se rend alors chez sa mère pour lui préparer son déjeuner. Un peu plus tard, elle part faire des courses et revient vers l'heure du midi. Moi, je travaille de nuit. Alors, c'est sûr, j'ai dormi jusqu'à 10 heures au matin. Le téléphone a sonné chez nous. C'était ma mère parce qu'on se préparait à baptiser mon garçon le samedi. Donc, ma mère m'a appelé, j'ai parlé avec elle, j'ai dit « Écoute, non, j'ai pas le temps, on réglera ça un autre tantôt, je te rappellerai tantôt, mais que je me lève. » J'ai retourné me coucher. Quand je me suis réveillé, à midi et demi, j'ai pris mon café, j'ai décidé d'appeler ma mère pour continuer de parler avec elle du matin. Dans les heures qui suivent, un incendie éclate chez Mme Lévesque. Dépêchés sur les lieux, les policiers craignent que les jeunes enfants de François, souvent gardés par leur grand-mère, ne soient prisonniers des flammes. J'ai reçu un téléphone d'un policier qui m'a dit « Monsieur, je veux savoir si vos enfants sont avec vous. » Alors, j'ai expliqué au policier, j'ai dit « Oui, les enfants sont avec moi. » Puis je les voyais, ils étaient juste au côté de moi à table. Puis il m'a dit « Êtes-vous certain que pouvez-vous les toucher? » Je savais pas où ce qu'ils voulaient en venir. Alors, j'ai touché mes enfants, j'ai dit « Oui, ils sont là, ils sont avec moi physiquement. » J'ai dit « Pourquoi vous posez ces questions-là? » Ah, il dit « C'est rien, monsieur. Si vos enfants sont avec vous, il dit « Tout est correct. » J'ai dit « Non, non, j'ai dit, vous m'appelez pas pour rien, là. » Alarmé par le ton des policiers,
François se précipite chez sa mère. Puis là, quand je suis arrivé comme de fait, la rue était bloquée du bout de la rue. Il y avait des camions de pompiers partout dans la rue. Puis là, je suis arrivé à la maison. Puis là, la maison, les flammes sortaient par en haut. Là, c'était un incendie majeur. Les policiers expliquent à François qu'à leur arrivée, toutes les portes de la maison étaient verrouillées. Cette information intrigue François au plus haut point. On barrait jamais les portes. Ma mère, il y avait souvent les gars de déneigement qui venaient, même l'été, elle faisait tourner la pelouse, puis ça, les personnes qui s'occupaient du terrain ici savaient très bien que ma mère laissait la porte ouverte. En se levant le matin, elle allait de l'autre côté, elle débarrait la porte de la cuisine d'été. Cette porte-là restait tout le temps débarrée. Quand quelqu'un avait affaire à ma mère, cognait deux coups dans la porte, entrait, parce qu'il savait qu'elle était en chaise roulante. Les médecins constatent le décès de Francine Lévesque à l'hôpital du Haut-Richelieu. La cause? Asphyxie et intoxication au monoxyde de carbone. Une dose d'oxazépam est également retrouvée dans son sang. De peur que Mélanie n'apprenne la mort de sa mère des médias ou des policiers, François tente à plusieurs reprises de la rejoindre pour lui annoncer la triste nouvelle. Mais Mélanie est à l'université, où elle passe un examen de criminologie, et il n'arrive pas à la contacter. Il se rend donc chez elle et convainc le concierge de lui ouvrir la porte. Elle est arrivée à 10h15, 10h30 le soir avec sa fille. Puis c'est là qu'on lui a annoncé que maman était décédée. Puis là, elle a fait une grosse crise d'asthme. Puis là, on est obligé d'appeler les ambulanciers. Le jour où ma soeur est décédée sur un feu, j'étais pompier pour la ville de Saint-Jean. Puis le lendemain, je suis allé voir avec un confrère de travail pour voir ce qui s'était passé. Je me suis aperçu que ça avait de l'air louche un petit peu. J'ai remarqué que le fauteuil roulant de ma soeur n'avait pas brûlé ou comme le cuir, on dirait qu'il vient, qu'il gondole. Ça n'avait pas fait ça. Fait que puis la chaise était pas tout à fait à l'endroit où que ma soeur est décédée. Fait que, donc, ça a créé un petit doute dans mon esprit, mais j'ai demandé à mes confrères de travail ce qui s'était passé, puis ils ont dit qu'ils doutaient un petit peu, mais il n'y avait pas de cause comme telle. Probablement un article de fumeur. Fait que ça s'est arrêté là. Afin d'élucider le mystère et de déterminer les causes de l'incendie, les policiers demandent à François de revenir sur les lieux du drame. Sur 3 étages, on pouvait voir les nuages à l'extérieur. C'était détruit à ce point-là. Dans le sous-sol, on voyait à travers le toit de la maison. Fait qu'il m'avait demandé pour être capable de reconstituer les pièces, savoir à peu près où était placé quoi, pour savoir où chercher des preuves ou des éléments qui peuvent le montrer qu'est-ce qui a mis le feu dans la maison. Malgré les précieuses informations fournies par François, les policiers ne parviennent pas à déterminer la cause de l'incendie. Les jours passent. Après le décès de sa mère, Mélanie va vivre chez son oncle Pierre. À cette époque, Mélanie se dispute constamment avec son frère François au sujet des assurances et du testament de leur mère. L'étrange comportement de la jeune femme éveille les soupçons. Et une journée est arrivée, ben, elle me dit, en sacrant. Je dis, hey, regarde, on attend de respirer, là. Je dis, Mélanie, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, elle me dit, les assurances ne vont pas payer, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis je dis, hey, regarde, il y a eu mort de quelqu'un. À ce moment-là, ça va prendre un petit peu de temps. Je prends le temps de placer les affaires. L'enquête n'est pas finie. Je dis, oui, l'enquête n'est pas finie. Fait que je regarde, c'est des choses qui vont se faire tout seul. Fait que là, on m'a posé la même question. Ils ont-tu des doutes? Je sais pas, je suis pas au courant. Francine Lévesque n'a pas eu le temps de signer son nouveau testament. François et Mélanie sont donc les héritiers de leur mère. Il y avait une trace au bureau des notaires du projet testamentaire, de la demande que ma mère avait faite pour déshériter Mélanie. Ce document-là existe. Il n'a juste pas eu le temps d'être signé, il n'a juste pas eu le temps d'être enregistré, approuvé et retourné. Donc, ce qu'on en sait, c'est que le projet de testament est venu ici,
des mains de ma mère ou pas, on ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est que ma mère est décédée dans la semaine qui a suivi. On a hérité chacun de plus ou moins 180 à 190 000 $ qu'on a eu chacun. Notre part. Dans le détail, ben là, elle avait un auto, moi je prenais le terrain, moi je tenais à ce qu'on garde le terrain dans la famille. On a été élevés ici, on est arrivé en 78. J'ai dit, je veux garder le terrain, je veux pas que ça aille dans des mains étrangères, je vais rebâtir. Là, à ce moment-là, il y a eu beaucoup de discussions. Elle voulait mettre dans le contrat que je pourrais pas rebâtir la même maison, pas le même style de maison, qu'il fallait que j'aille avec un autre style de maison. Je pense que la maison a brûlé suite au meurtre. Bon, je pense qu'elle s'est objectée à reconstruire la maison et ça a été assez difficile avec son frère. Donc, de ne pas reconstruire la maison telle qu'elle était avant. Je pense qu'elle veut effacer tout lien. Garder un lien, ce serait un rappel possible à la souffrance. Donc, de couper les liens, c'est un peu le combat. On coupe les liens, on détruit, il n'y a plus d'émotion. C'est un peu plus la toute-puissance qui prend encore une fois le dessus. Mélanie obtient sa part d'héritage et renoue encore une fois avec son conjoint Stéphane Leblanc, qui est alors en maison de transition. Le 4 mai 2002, elle met au monde Mathis, son deuxième enfant, issu de sa relation avec Leblanc. Quelques mois après la naissance de Mathis, au mois de juillet, Mélanie, Stéphane et les deux enfants déménagent à Saint-Blaise. La chicane éclate encore. Le 6 janvier 2003, Mélanie soupçonne que Stéphane la trompe et le somme de quitter la maison. Quelques mois plus tard, Mélanie envoie une lettre à la nouvelle conjointe de Stéphane pour lui dévoiler qu'elle le fréquente toujours. La situation s'envenime. Mélanie et Stéphane s'étaient entendus pour la garde des enfants, mais maintenant, Stéphane a du mal à les voir. À la même époque, Stéphane se rend chez Mélanie avec la grand-mère de celle-ci. La maison est barricadée. Stéphane porte plainte à la DPJ, qui enquête déjà sur les agissements de Mélanie et étudie la possibilité de lui retirer la garde de ses enfants. Trop tard. Le lendemain, un enfant sera mort. De façon générale, comment on arrive à faire ce qu'on appelle un infanticide, donc le meurtre d'un enfant qui se situe entre 0 et 18 ans, en fait, il y a différents profils d'individus. Les femmes, par exemple, très dépressives, qui voient la vie, leur vie et la vie de leur enfant complètement défaites, détruites, et qui, dans un mouvement dépressif, l'enfant comme devient une partie d'elle-même, et elles amènent l'enfant avec elles dans la mort. Dans un cadre de rupture amoureuse ou de séparation amoureuse, un des deux parents ne veut pas laisser l'enfant à l'autre parent dans la rupture et décide de tuer l'enfant pour punir d'une certaine façon ou se venger de l'autre, du conjoint ou de l'ex-conjoint. C'est dans cet état d'esprit que Mélanie ajoute un puissant sédatif au lait de ses enfants et qu'elle leur offre à chacun le biberon. Elle met ensuite le feu à 6 différents endroits dans la maison. Ce meurtre a-t-il été inspiré par le décès de la mère de Mélanie, elle-même morte dans un incendie? Dimanche, à Canal D. Antise. Supervision des parents est suggérée. Le 12 mai 2003, Mélanie, une jeune mère de 2 enfants, décide de mettre fin à leur vie.
Bien vite, Mélanie est accusée du meurtre de son fils Mathis, de tentative de meurtre sur sa fille et d'incendie criminel. Dans l'attente de son procès, elle est détenue à la prison Tanguay. En étudiant le dossier, la procureure de la Couronne, Julie Beauchesne, trouve des similitudes troublantes entre les incendies de Saint-Jean-sur-Richelieu, où habitait la mère de Mélanie, et celui de Saint-Blaise. À la demande de Maître Beauchesne, l'enquête sur la mort de la mère de Mélanie est rouverte. Lorsqu'elle apprend cela, Mélanie appelle le bureau des enquêtes. Je voulais savoir un petit peu pourquoi vous réouvriez l'enquête, là. Parce que l'enquête avait déjà été faite par les crimes contre la personne de la SQ, là. OK. Non, mais c'est pas la même chose, là. Mais là, est-ce que moi et François, on va être sous enquête? Non, c'est pas ça. Tout comme en 2003, Mélanie a utilisé le même modus operandi en 2001. Il est clair que lorsqu'elle a fait le premier homicide en utilisant le feu contre sa mère et en utilisant les médicaments, elle a été une longue période où elle n'a pas été du tout inculpée de cet homicide-là. De commettre un homicide, c'est un acte d'une toute puissance, surtout lorsqu'on n'est pas attrapé. Dans cette période-là, c'est clair que là, il y a eu un procès, il y a eu sentence, mais en même temps, il est clair qu'il y a des éléments de toute puissance qui peuvent avoir été activés parce que si madame est manipulatrice, elle a peut-être réussi à obtenir plusieurs choses dans la vie, mais c'est clair que de réussir un homicide et de ne pas être attrapé pendant une période, ça peut être associé à un sentiment de toute puissance. Les proches de Mélanie découvrent qu'ils se sont fait horriblement manipuler pendant toutes les années suivant le décès de Francine Lévesque. Je crois que Mélanie est manipulatrice. Oui, elle l'est. Méchante. C'est pas que c'est plus méchant, je dirais, c'est vicieux. Un peu vicieux de sa part de faire des choses, de poser des gestes qui sont pour faire mal. L'enquête sur la mort de Francine Lévesque révèle la personnalité trouble de Mélanie. Une femme qui n'a pas de troubles mentaux graves dans le sens de psychose, c'est-à-dire de perte de contact avec la réalité, elle n'a pas eu non plus de dépression majeure. Donc, elle se situe beaucoup plus dans le registre d'un trouble de la personnalité. Et dans ce trouble de la personnalité-là, il y a vraiment des éléments antisociaux importants, antisociaux tels que les mensonges répétés, les fraudes, hein, l'exploitation des autres et surtout l'absence de remords. L'absence de remords, je pense, le fait qu'elle n'a pas intégré ou intériorisé une conscience morale suffisamment, c'est comme si elle n'a pas accès aux remords, à la culpabilité. Donc, des éléments vraiment au niveau de la personnalité antisociale et aussi, je pense qu'il est important, des éléments importants de la personnalité narcissique. Elle a un narcissisme très défaillant, très problématique. C'est clair, quand on regarde beaucoup son dossier, il y a aussi une forte probabilité que madame, les individus autour d'elle, ça soit des objets. Donc, des objets, pour certaines personnes, on peut utiliser ces objets-là jusqu'à un certain niveau, mais on peut juste pas uniquement les utiliser, on peut les éliminer. Le soir même de la mort de Francine Lévesque, Mélanie va même jusqu'à appeler les policiers pour demander ce qui était arrivé à sa mère, qu'elle n'arrivait pas à rejoindre. Bureau de l'officier? Oui, bonjour, est-ce que je parle? Bon, monsieur... Oui, madame. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, mon frère m'a appelé. Nous autres, parce qu'on a été sur Nice, elle a dit chez ta mère. T'as-tu là, toi, matin, chez ta mère? Ben, j'ai passé la journée chez ma mère. Maman, et qu'est-ce qu'elle a, maman? Ben, c'est ça, là. Il y a eu un incendie dans la maison, là.
À cause des... T'as-tu toi qui a allumé les foyers ou elle, je sais pas, là? C'est maman qui a allumé le foyer, quoi? Y a-tu le feu dans la maison, y a quoi? Non, mais c'est terminé, là. Ben là, tu sais pas pendant tout si elle est blessée ou pas. Ben ta mère, elle serait décédée, monsieur, madame. Hein? Oui. Hein? C'est quoi? Mais il faudrait vérifier avec tes frères, là. L'autre était pas... Dans le procès qui a eu lieu en 2005, quand j'ai entendu cette conversation-là qu'elle avait avec le poste de police, je me suis dit à ce moment-là, pourquoi a-t-on eu besoin d'une ambulance? Elle arrive, elle fait la personne qui est pas au courant de rien du tout. On est supposément les premières personnes qui annoncent que maman est décédée dans l'incendie. On la prend tranquille, on la fait assise sur le divan, on s'en occupe. Puis là, après, l'histoire nous montre qu'elle était déjà au courant de ça. Ça fait drôle, un peu. C'est sûr que là, après, quand t'es au courant de tout le procès, là, tu peux comprendre que, bon, ça va avec le reste, hein. Sa vie est bien gros montée sur des crises, elle fait tout pour attirer l'attention. Puis surtout, pour se disculper. Mélanie déclare être partie de chez sa mère vers les 15 heures. Mais les scientifiques établissent avec certitude que le décès de Francine Lévesque remonte aux environs de 14h30. Malgré ces faits incontestables, Mélanie nie tout avec affront. Au cours du procès, les preuves deviennent de plus en plus accablantes. Mais Mélanie ne s'avoue pas vaincue et tente toujours de déjouer la justice. Tantôt, la jeune femme se plaint de malaise qui nécessite l'interruption du procès. Tantôt, elle exige que des pièces à conviction soient déplacées de sorte qu'elle puisse mieux les voir et ne cesse de changer le contenu de ses déclarations. Quand on regarde son discours, et quand on regarde les preuves qui ont été apportées, il y a beaucoup de contradictions. Ça semble avoir été facile, justement, de prendre madame. Donc, c'est clair que même si elle apporte des explications qui sont évidentes pour elle, qu'elle a des réponses à toutes les questions, les preuves sont tellement fortes à son égard que on se demande pourquoi ces explications-là ont été formulées par madame, parce qu'elle semble être une des seules qui croit à ces explications-là. Dans une déclaration, Mélanie rapporte des faits très détaillés concernant l'enquête sur la mort de sa mère. Or, ces faits n'étaient contenus que dans le rapport du coroner. Intriguée, la procureure de la Couronne interroge Mélanie. Où et quand a-t-elle pris connaissance de ces faits? Cette fois, Mélanie ne voit pas le piège et répond qu'elle les a lus dans le rapport du coroner au cours de l'été 2002. La procureure rétorque que le rapport du coroner n'était pas émis pendant l'été. Comment pouvait-elle donc connaître ces faits? Serait-ce parce qu'elle savait trop bien comment s'était produite la mort de sa mère? L'étau se resserre autour de Mélanie. Traquée, elle tente alors d'incriminer son frère François pour le meurtre de leur mère et son ex-conjoint pour le meurtre de leur fils Mathis. C'est difficile. C'est dur. Quand t'entends ce qu'elle dit, bon, entre autres, que j'avais des problèmes d'argent, que bon, il y a plein d'affaires qu'elle a sorties en cours à son procès de 2005 qui d'un, tiennent pas la route. Pas du tout. Mais ça l'a été dit devant le jury. Ce que j'ai trouvé le plus pénible là-dedans, ça l'a été de pas pouvoir se défendre. Parce qu'elle est accusée par une personne. Cette personne-là, elle est accusée, a droit à une défense pleine et entière. Elle a le droit de, si elle veut, essayer de pointer quelqu'un d'autre, démontrer au jury que cette personne-là, oui, pouvait avoir des raisons de le faire, pouvait avoir un mobile, pouvait avoir... elle peut même monter un scénario. T'sais, ça l'a pu se passer comme ça, elle a le droit. François et Stéphane ne peuvent qu'écouter sans broncher les accusations que leur porte Mélanie. Le 10 décembre 2005, au terme d'un procès qui aura duré 2 mois, Mélanie est finalement reconnue coupable des 5 chefs d'accusation qui pèsent contre elle. Elle écope d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. La famille est tellement marquée par l'horreur des gestes de Mélanie qu'on décide d'effacer tout souvenir d'elle. Son nom sera même biffé de la pierre tombale familiale.
ce qui est particulier dans ce cas précis-là, c'est le fait de tuer, si on peut dire, la génération du haut et la génération du bas. Donc, quand on parle de génération du haut, on fait référence à la mère qui a été tuée. Donc, quand on parle de tuer sa mère, c'est tuer son passé, d'une certaine façon. De tuer, si on peut dire, un bout de soi-même, donc qui est d'une certaine façon sa filiation directe, d'une certaine façon son identité. Et en plus, elle a tué un enfant et elle a tenté de tuer un autre enfant. Donc, elle tue vers le bas. Et en tuant vers le bas, là encore, c'est elle qui a créé ses propres enfants-là. Elle a un lien biologique. Donc, on parle vraiment d'une rupture vers le bas qui est, elle tue son futur d'une certaine façon. Donc, il y a une rupture avec son passé, puis une rupture avec son futur. La haine ou la jalousie seront toujours mauvaises conseillères. Chez une personne colérique et explosive, comme Mélanie l'a été, avec un bénéfice financier en prime, elles peuvent devenir meurtrières. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir ?